Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play, et ce sera celui de Like a Dragon Infinite Waltz. Alors, eh bien, on va démarrer tout de suite. Juste pour préciser, c'est configuré avec l'audio japonais. En fait, je viens de lancer le jeu et j'ai eu un truc très surprenant, du coup je suis revenu en arrière, donc vous voyez, c'est bien configuré avec l'audio japonais. Je dis ça parce que sur ma partie, j'ai juste démarré la première cinématique, l'audio était en anglais, ça m'a paru très étrange, mais bon. Allez, c'est parti. Ça, on garde, sauvegarde automatique, bien évidemment. Et on est parti. Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. Oh. No! Très bien, ça commence fort. Power finished. Time for your reward. Je l'ai un peu vu venir, mais bon. Ah oui, ça commence violemment. Et effectivement, c'était en anglais. Mais bon, je pense que c'est par rapport à ces personnages-là, on va dire. Et nous sommes au Hello Work. お待ちください。履歴書を確認しておりますので、お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん、私今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。 Alors, je l'ai pas précisé au tout début, mais ça paraît évident, c'est la suite de Like a Dragon, donc Yakuza 7. Et clairement, bah, c'est la suite directe, alors ça se passe pas mal de temps après, j'imagine, hein. Mais on va pas, ça va spoiler allègrement Yakuza 7, donc si vous ne l'avez pas fait, vous souhaitez le faire et vous ne voulez pas être spoilé, il ne faut pas regarder celui-ci, c'est la suite. C'est logique. Et du coup, on retrouve Ichiban Kasuga, qui visiblement maintenant travaille pour le Hello Work, ce qui est assez rigolo.知ってるよ。有名だからな、あんたは。そうでしたか。それは恐縮です。で、どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に、佐々木さん、室井孝さんにお勤めだったとのことですが。
そう書いてあんじゃねえかよ。室井光さんは暴力団横浜日渡し会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員は全て組の構成員のはずです。詳しいね。室井光さんを会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。そう言いありませんか。ああ、そうだけど。では室井光さんにお勤めだったということと、その立派な彫物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。あのな、なことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。そういうおままごとはいいんだって春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは？あんたが俺みたいな元ヤクザもんに割のいい仕事回してるって話だよ。浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか。あれば求人の幅が。だからそういうのはいいっつってんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので、施設内ではお静かにお願いします。佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様、お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ。まだやんのかい。くそ、なんだよ、話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だ、バカらしい。お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。あ、いや、どうも。お疲れ様、春日さん。今日大丈夫だった？ああ、全然大丈夫っすよ。それよりすんません、騒がしくしちまって。いやむしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃって、こっちが申し訳なくて。気にしないでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご恩にきっちり応えてみせますんで。いやー、さすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪は暴くなんて、まさに世直しのヒーローじゃない。いや、大げさだし、だいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ
俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。Bon, je ferais mieux d'acheter à bouffer avant de rentrer. Si j'opte pour un restaurant, soit je la joue prudent. Non, soit j'opte pour un restaurant, soit je la joue prudent et prends un gyudon. C'est un peu excentré. Mais je pourrais aller à Central Street, puis me rabattre sur un gyudon si ça ne me va pas. Et donc, ils ont changé tes problèmes dans la vie. Hein. Astuce, appuyer sur A ou RT pour courir. J'ai obtenu un nouveau Tsujimon de l'encens. Ah oui, donc en fait j'ai pris l'édition la plus complète, on va dire. Alors j'ai vu après que dans les différentes éditions il y avait quand même des petits trucs qui n'allaient pas. En particulier le New Game Plus qui serait vendu dans un pack en DLC ou dans l'édition complète, qui est pas complète hein, d'ailleurs. Il y a des trucs que j'ai même pas. Mais bon. Bon, du coup là ça va montrer ce que j'ai débloqué. On sait pas à quoi ça sert pour le moment, mais bon, ce n'est pas très grave. On peut courir avec A maintenant. A ou RT. Très bien. Donc on est bien au Hello Work, ça. Il n'y a pas de souci, on reconnaît. Et du coup, alors si vous n'aviez pas fait Yakuza 7 ou si vous avez juste vu le Yakuza Gaiden, Like a Dragon Gaiden, pardon. Là, on est vraiment sur un RPG au tour par tour. Sauf qu'ils ont inclus quelques dynamiques d'orientation et d'action pendant les tours par tour, si j'ai bien compris. Je me suis spoilé le moins possible, en fait je sais absolument pas. Aujourd'hui c'est jour de paye. Je devrais acheter un cadeau pour ma maman avant de rentrer. Bon, c'est gentil ça. Maintenant que j'ai un travail, j'ai envie de lui rendre la vie plus facile. C'est très bien. Je te félicite. Bon, comme toujours, hein, début d'un Like a Dragon. On a une grande map mais tout est bloqué parce que c'est le tout début du scénario. Et on souhaite, on se rend à un endroit. Oui. Ah, tu disais juste « eh », mais tu voulais pas me parler. Très bien. On va se remettre à courir. Je regarde s'il n'y a pas des choses à ramasser ou autre. Faut que je me réhabitue au mode RPG tour par tour. Ah, il y a une mallette là, vous voyez. Ouais, un Nidhiru. Sauf que là, on est vraiment sur un vrai RPG. Il va falloir monter ses levels et tout et... On a des classes qu'on appelle des jobs en l'occurrence, et c'est pour ça qu'on travaille actuellement au Hello Work et que on y postulait dans l'épisode précédent. Bah, c'est pour avoir différents jobs, et donc ce sont des classes de combat. Encore une mallette, bah, décidément il y en a partout des mallettes. Il y a encore une là-bas, c'est un peu abusé là. Bon, je vais pas m'en plaindre, hein, mais bon. Alors c'est pas là-bas que je suis censé aller, bah voilà, c'est bon. Je me suis un peu écarté du chemin, mais c'est après ce sera complètement libre. C'est vraiment pour introduire le scénario au tout début. Et une mallette, ça faisait longtemps. Donc quoi, hein, pour être riche, il suffit de se balader dans la rue. Ah, il y avait un truc, est-ce que je peux encore le faire ça? Non, je pense qu'on peut pas. Non. Dans l'épisode précédent, comme en fait on était SDF et à la rue, en fait on avait une technique devant les distributeurs, c'est de fouiller en dessous pour récupérer une pièce. Ou pas, hein. Il n'y en avait pas tout le temps. Nanda, parete ta noka. Sasuga da na. Ya, sakki wa warukatta yo. Ore mo kuuki yomete nakatta. Na? Kane daro? Ya, uwasa ni wa kiite tan da. 駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは。Tu me prends pour qui toi？五万でいいんだろ？今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で五万だ。あんたもいい忍びじゃねえか。羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。あ？おい待てや、何だってんだよ。これじゃ足りねえってのか。いくら出しゃ仕事を回してくれんだ。元坊五年上記、あんたもそれで干上がってる口だろ。ヤクザが支払った後に待ってる地獄の5年間だ。
口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか、保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと近江と東上界の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな。世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、な説教聞きに来たんじゃねえんだよ。Laisse-moi avec ton argent là。やめろ。金が。てめえこの野郎。いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。カッコつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。Et c'est le premier combat du tout. さっさと始めようぜ。Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va le revoir quelques fois lui. Alors, utilisez le menu de commande en bas à gauche de l'écran pour choisir vos actions au combat. Sélectionnez attaquer pour porter une attaque de base. Allez, envoyez-leur un grand coup dans les dents. Bon, pour le moment, l'attaque de base, bon, il est niveau 1, bon, moi aussi en même temps. Alors j'ai eu un plus 2, je sais pas ce que c'était. Sélectionnez rapidement attaquer avant qu'un ennemi à terre ne se relève pour le frapper et lui infliger de lourds dégâts. Ok. Ah d'accord. Aptitude exceptionnelle. Sélectionnez aptitude pour déchaîner une puissante capacité qui coûtera des points de mental. Alors oui, j'ai pas expliqué tout Yakuza 7, mais en gros, quand il se bat, notre cher protagoniste, il se croit un petit peu dans un RPG et il y a beaucoup de références. Mais il est dans un RPG du coup, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que les ennemis vont se transformer visuellement pour ressembler à des ennemis de MMORPG ou autre. Alors, vos PM actuels sont représentés par la barre verte en bas à droite, pas de souci. Vous pouvez récupérer des PM en utilisant des attaques normales. Ah, c'est donc ça les plus 3. Je récupère des PM quand j'attaque normal. Ok. Les aptitudes s'activeront lors des actions rapides. Appuyez sur X ou Y au moment pour augmenter les dégâts infligés. Ouais. Là, ça me fait un peu penser au système de FF8, je crois qu'il y avait ça. Un petit peu. Hein. Vous pouvez appuyer en plus pendant l'animation pour obtenir plus de dégâts. Alors, aptitude, point tenace, il n'y en a qu'une. Ok, alors je crois que je pouvais le faire plusieurs fois. Là, j'ai appuyé 2-3 fois sur X et ça a bougé à chaque fois, donc je pense qu'il fallait marteler. Appuyez sur B lorsque vous essuyez une attaque pour effectuer une parade parfaite et réduire les dégâts encaissés, ainsi que le risque de subir une anomalie. Vous pouvez exécuter une parade parfaite tant que vous êtes capable d'agir. C'est une technique avancée, mais tentez-la dès que possible. Ok. Ah oui, alors ça n'est pas indiqué à l'écran. Faut vraiment appuyer au bon moment, au moment du coup. Et ça n'est pas indiqué à l'écran. La jauge rouge en bas à droite indique vos PV, points de vie. Si les PV du chef sont pas zéro, perdez la partie. Ça c'est important. Ouais, le leader, le zéro. En général, c'est Ichiban, mais en tout cas, on va appeler le chef du groupe. Si lui tombe à zéro, on perd. Ce qui est un peu particulier hein, quand même. Certains objets vous soignent, alors mangez un morceau si vous avez besoin d'énergie, ça c'est classique. Ainsi se conclut le tutoriel de combat. À vous de jouer. Hop, ouais, il lui restait un PV. Hein, mais... Donc on gagne de l'expérience, bon classique, pour un niveau général du personnage. Et ensuite de l'expérience professionnelle, c'est pour sa classe, donc son rôle. Et des classes, il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas combien il y en a dans ce jeu-là. Et dans le précédent, alors je sais même plus combien il y en avait, mais je pense qu'il y en avait au moins 10. Du coup, en plus là, il y en a qui sont... Enfin, j'ai vu qu'il y avait un DLC avec deux classes en plus, ce qui est un peu nul, on va pas se mentir. Ça devrait être intégré au jeu. On n'a pas besoin, on peut faire avec le jeu avec quelques classes, mais c'est plus pour diversifier un petit peu. Et du coup, bien sûr, on gagne un niveau, donc on a gagné des PV, des PM, de l'attaque, de la défense, de la magie, qui est sûrement la puissance d'attaque. Des aptitudes, de la volonté et de l'agilité. Alors je sais plus trop à quoi ça correspondait. Là on voit bien que magie c'est magie,
Ouais, non, je sais plus. Je pense que ça dépend du type de classe qu'on a. Les classes sont orientées sur une stat, il me semble. Mais on nous l'expliquera bien. Au revoir, l'argent. Ah, il s'est jeté dans l'eau. C'est pas très malin, hein. Sacré Tiben. なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんなやつからあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。確かに俺はヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな。 去年そのうちの1人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ。俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事でな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液。 人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そういう奴らがネットに出品したブツを偽の入札で誤破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな。メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいる。 けど元ヤクザはスマホを契約できねえ。だからあんたが代わりに契約を。ね。もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましく、あぶくぜに押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのは きついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わった。けど、それでも真っ当に這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら、力になるぜ。どうだい？エルボディスコ。さっきあんたは俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきり くすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺、なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む！お願いします！俺やり直してんだ！力貸してください！ オーケー、わかった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができんのは手助けだけだ。もちろん全力でやらしてもらうけどな。<笑>ありがとうございます。それじゃ明日もう一遍ハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うか、もう 間違えるんじゃねえぜ。はい。さて、飯でも食うか。Bon, était pas si mauvais ce garçon au final. Il a juste besoin qu'on le remette dans le droit chemin.
En tout cas, qu'on l'aide un peu. Ah, ça fait plaisir de reprendre Yakuza quand même. Waouh! Ah ouais, t'habites dans ça en vrai. Ah, c'est rude quand même. Forcément. C'est un bon gars, Ichiban. Chapitre 1, je fais de mon mieux. Ah, c'est le foutoir par contre chez toi. Hein. Joli, c'est la classe. Il n'y a plus qu'à espérer que Sasaki daigne se montrer aujourd'hui. Bon, il n'y a plus qu'une seule façon de le savoir, c'est l'heure d'aller au travail. Alors, je sais pas comment il a nettoyé son costume, hein, parce que vu dans quelle eau il est tombé... Oh, mais d'abord, je dois présenter mes hommages. J'y vais. Au revoir, boss, jeune maître. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts depuis déjà 3 ans. Du coup, il y a 3 ans qui se sont passés. Okay. Tojo et Omi qui ont disparu en même temps. Donc Tojo et Omi, c'est les clans. Aujourd'hui, on appelle ça la grande dissolution. C'est fou qu'ils aient disparu à ce moment-là. Ces derniers temps, je me concentrais sur ce que j'avais sous le nez. Je devrais peut-être plutôt regarder le chemin parcouru. Se souvenir ou se rendre au travail. Alors je suppose que ce souvenir, en fait, ça va lancer une vidéo qui récapitule tout l'épisode précédent. Mais bon, on va pas faire ça, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je ne devrais pas tarder à y aller. Bon, c'est un nouveau jour qui commence. Ah, mais quel bordel chez toi! Ah tiens, du coup, le lit, il a une icône de cœur et ça permet de récupérer ses PV. Bon, il n'y a pas besoin, on est au Mac. Et ça, on peut interagir avec le petit hôtel là-bas. Mais bon. Tiens, il y a un coffre là-bas aussi. C'est pour ranger ses objets, j'imagine. Alors, vous trouverez une boîte d'objets dans votre planque, dans les lieux de rencontre et dans les divers donjons du jeu. Accédez-y pour récupérer et entreposer des objets en votre possession. Totalement RPG, hein, là. Et dedans, bah j'ai que... Ah non, alors ça, c'est ce que j'ai eu dans les packs. Je sais pas encore à quoi ça sert, on verra un plus tard. On va pas les prendre en tout cas. Un objet spécial usage unique, ouais, pareil, c'est pour des jeux du truc. Les assiettes, c'est ce que j'ai ramassé. Bah, elles devraient pas être... Attendez, c'est dans mon inventaire ça en fait.
Ah oui, dans la boîte d'objets, j'ai rien. On va déplacer les objets. Est-ce que mon inventaire est limité? Alors, c'est limité à 300 objets de ce type-là, de toute évidence, mais... si je fais ça... Alors, je suis pas censé les avoir de base dans le jeu, donc je vais les mettre de côté. On va s'en servir, hein. Je sais pas quoi ça sert encore, mais bon. Cadeau Suji ultime. Ce coffret cadeau témoignant de votre affection qui renferme des articles vraiment exclusifs. Ça, on peut le garder. Les assiettes, c'est à revendre. Il n'y a pas d'équipement. Et ça, je sais pas ce que c'est. Uranime. On va en garder un sur nous, au cas où. Un de chaque. Bombe asphyxiante, bon, on s'en fiche, je pense que ça vaut rien ça. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Bon, c'est l'introduction, hein, forcément. D'ailleurs, le jeu ne se passe pas dans cet endroit-là à la base, donc on va être envoyé à Hawaï. Donc là, c'est vraiment l'introduction pour dire de faire la grande introduction. Salut, bah, tout le monde me connaît, hein, c'est fou. Tu fais de plus en plus couleur locale ces derniers temps. Oh bah il y a un objet là. Je croyais que je l'avais pas vu. De l'herbe suprême. Un ingrédient de cuisine. Ah. Je me demande s'ils ont pas encore ajouté pas mal de choses là-dedans. Le Love Magic. Ah, par contre, ouais, j'ai pas regardé où c'était. Alors, placer le curseur sur n'importe quel emplacement pour voir l'itinéraire. Des recommandations d'une boutique ou les plats du menu que vous avez commandé dans... Ok, ah, ça c'est intéressant. Par exemple, si je vais là et que je fais X, ah oui, j'ai les détails. Ah. Et du coup, là, on voit progression du menu, c'est ce qu'on a déjà acheté en fait, parce qu'il y a toujours un succès où il faut manger tous les plats du monde, etc. Combo de plats effet, ça je me souviens plus comment ça marche. Je crois que c'est quand on prend plusieurs éléments différents, genre des entrées, menu, dessert, et qu'ils se combinent, ça donne un effet spécifique. Je suis plus sûr. Et discussion, bah ça doit être des discussions. Pas tellement de surprises. Donc on va ici, nous. Là, je partais déjà dans le mauvais sens. C'est pas tellement surprenant. Hein. Moi je traîne toujours. Il y a un truc là-bas, non? Je vais aller voir. Ah non. Je croyais qu'il y avait une mallette, mais non, c'était le petit rebord qui est passé. On se refait pas. Ah bah, il y en avait une juste à côté de moi. Amplificateur cognitif. Un médicament qui neutralise les étourdissements. Très bien, ça peut toujours servir. Ah, il y a des trucs partout. Comment voulez-vous que j'avance? Alors, désolé, hein, moi je prends mon temps aussi dans les jeux. Bon, on va quand même se concentrer sur le scénario. Mais comme c'est un RPG, ben... faudra leveler, hein, faudra faire de l'XP aussi. Je ferai pas forcément tout en vidéo... Enfin, tout ce qui est phase d'XP sans scénario, hein, j'entends bien évidemment. Oui. C'était quoi ça? Quelqu'un s'est blessé? Il faudrait que j'aille voir à qui était là, cette voix. Je sais pas où c'est en fait. Il y a quelqu'un là? Non. Ah bah c'est le point de quête en fait tout simplement. Et là-bas il y a un objet. Du bento jeté. Ça restaure 10 PV. Ça a pas l'air d'être de l'or ça, mais bon. Ah c'est agréable, on passe tranquille par-dessus et tout ça, j'aime bien. Voilà, bah dis donc. Vraiment. Oh c'est elle qui est tombée. Il y a un truc à ramasser après.浜子さんじゃねえか。どうしたい？おお、一番か。久しぶりだね。はい。もし。ちょっと穴内に立ったじゃないか。道が痛いよ。中身は大して変わってねえけどね。それより転んだのか。ああ、さっきまで夜通し飲んでてね。 Pas très sérieux tout ça. Il
Que devrais-je dire à Amako? Lui dire de ralentir un peu sur la boisson, la réconforter. Je vais être en retard là. Et du coup, oui, ça on l'avait vu sur le coin. Donc la personnalité de Kasuga est représentée par les caractéristiques suivantes. La passion, la confiance, le charisme, la gentillesse, l'intelligence et le style. Pour fuminer la personnalité de Kasuga lui apportera de nombreux avantages comme une résistance accrue à des aptitudes d'ennemis et des anomalies. Et lui permettra également d'accéder à de nouvelles installations. En gros, on va tout monter hein, petit à petit, mais bon, selon les choix qu'on fait ou les activités qu'on fait, on aura des stats qui vont monter. Et ça a un impact, comme ils disent, par exemple, sur la résistance à telle ou telle altération. Par contre, je ne sais pas si on a le résumé des impacts. On ira voir juste après. Parfaire la personnalité de Kasuga. Une chance de personnalité renvoie à une opportunité d'améliorer la personnalité de Kasuga. Pardon. Différentes statistiques augmenteront en fonction de vos sélections. Bah, c'est ce qui vient de se passer. Il y a également de nombreux défis de personnalité qui boostent vos traits une fois accomplis. Vous pouvez les consulter via le menu pause. Ok. Alors on va voir ça juste après. Je vais ramasser ce qu'il y avait dans le buisson. Je l'avais vu. Oh tiens, c'est rigolo ça. Je peux faire Rio. Je peux dire bonjour aux gens. Bon, excusez-moi. Alors, bon, c'est un RPG. Hein, je vous avais prévenu. Si vous ne connaissiez pas, vous connaissez maintenant. Donc, ce qui nous intéressait, c'était la personnalité. Ici. Les défis de personnalité, c'est genre ça. Bavard, parler à 30 personnes en ville en tant que Kasuga. Ok, donc en fait, ouais, c'est le compendium des choses à faire. Sur les mini-jeux, sur le combat et sur l'aventure. Les détails de personnalité. Alors vous voyez là, pour chacune des lignes, enfin des caractéristiques, à chaque niveau, on va débloquer quelque chose ou on va améliorer quelque chose. Voilà, bon ça c'est le principe. Hop, allez, on va travailler nous parce qu'on a assez parlé mais... Oh bah il y avait une manette là, je l'ai pas vue. Mais qu'est-ce qu'on ramasse de trucs ici, c'est impressionnant. Tu vas me dire la même chose toi? Ouais. C'est assez étrange, t'es à jour de paye tous les jours toi. Allez, ne soyons pas en retard. Hop. Il n'y a rien ici. On peut avancer. Allô. Salut Katsugi. Kotsugi. Salut Kasuga. Kasuga Kotsugi. Alors, ça commence à rentrer? Grâce à toi. Je peux toujours compter sur tes conseils. Ah, mais toi aussi, tu te rends utile. Après le départ de Kanbe-san et des autres, tu as vraiment pris le relais. Quand ils ont eu leur promotion, ils sont partis sans demander leur reste. C'est triste, mais bon, on n'aura qu'à travailler encore plus dur. Carrément. On fera ce qu'on peut, et on s'arrangera pour que le work continue de marcher du tonnerre. Merci pour tout ce que tu fais, Kasuga. Ton unité et ton énergie positive permettent de mettre la barre haut. Eh, merci. J'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi, les gars. Ok. Alors, est-ce qu'il va être là, notre pote d'hier, là? Oula, il est peut-être sévère, lui. Sasaki Shinya, to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Okake kudasai.
履歴書はお持ちですか？失礼します。C'est le même qu'hier ? C'est le même, je l'ai pas du tout reconnu. Sasaki-san, Zenka というのは窃盗。Et oui, c'est le même. 時計とか化粧品とか手頃な大きさで高値のものなら何でも盗んでました。ダチが盗品の横流しをやってたんで、物はそいつに買い取ってもらって。なるほど。やっぱり難しいですか。佐々木さん、一つ伺っていいですか。Tu viens de le faire。はい。この履歴書に懲罰の欄はありません。なのになぜ前科のことまで記載されたんです。自分のしでかしたことだからです。それを隠してもし仕事もらえたとしても。いずれバレて相手に迷惑かけちまうかもしれない。まっとうに人生やり直すにはそれじゃダメだって思ったんです。立派なお考えだと思います。ご安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。本当ですか？どんな仕事ですか？一言で言えば万引きです。 Tu voles à l'étalage? すみません、うがい薬ってどこにありますか？あ、はい、あちらになります。Beaucoup de caméras ici, hein. On repassera sur le nom du magasin. すみません、ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。どうぞ、こちらになります。良さそうじゃない？ねえ。いいけど、映画始まっちゃうからまた今度にしよう。あ、もうそんな時間？ごめんなさい。いえ、またのお越しをお待ちしております。お待たせしました。どうだった？指定のものは一通り、他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。うん、そいつは上出来じゃねえか。 Alors, qu'est-ce que tu es devenu, toi? T'avais lui, c'était un ancien flic. サングラスが一つに化粧品が3点、それに財布にコンドームと。早い話、どの店も陳列棚の配置が死角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし、だから最近はチームを組むのがトレンドですね。壁役、監視役、注意を引きつける役、そして盗む役、それくらい役割分ける連中もいますね。コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ
確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。お先に失礼しますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。どうも、お世話になりました。いいえ、万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった。じゃあ、お疲れ様でした。どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ、二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。それにあのおばさん、芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだが、それが良かったみてえだな。それにしてもおめえ、さすがの知識と手際だな。恐れ入ったぜ。しかし最後に回ってもらったブランドショップ、あそこは相当セキュリティに金かけてたはずなんだがな。狭い店なのに天井四隅に監視カメラをバッチリ置いてる。特に遮蔽物もないし、死角なんてなさそうに見えるんだけどな。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて盗んだんだ？はい、店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員も俺の方をずっと見ていた。ですがレジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。だからあのカメラだけは店内を見渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に設置ミスか、何にせよそのおかげで店内に死角は生まれていたんです。そうだったのか。あとは店員の注意を引きつけているうちに獲物を頂戴。店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。全て後の祭りというわけです。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。日本で1日に万引きされる総額は12億円とも言われている。小売店にとっちゃ店を潰すほどの死活問題なのに、多くの経営者がカメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。間違ってますね。カメラや警備員を増やすとそれまでなかった死角も浮かび上がってくる。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。そう、そこで防犯セキュリティの欠陥を調べる我が社の出番だ。もしも今日お前が万引きに失敗してれば、店のセキュリティは正常に機能してたってことだが。結果はこのありさま。ええ、セキュリティの欠陥はレポートにまとめて経営者に提出する。依頼された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。というと？いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど。このビジネスが軌道に乗れば別に警備会社も立ち上げようと考えててな。調査、コンサル、警備までを一手に引き受けるグループ企業が目標ってわけだ。 OK。 お疲れさ。おう、春日どうだったよ。足立さん、うちの佐々木は。さすがのプロ目線だ。即戦力になるだろう。それじゃあ採用ってことでいいか。うん、もちろんだ。ありがとうございます。じゃあ買い物ですが、何卒よろしくお願いします。おいおい、肩着の世界でそんなことすんじゃねえよ。すいません、つい癖で。少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。ああ、たまたま古本屋で見かけたんだな。し
施設警備業務検定。今お前ができることは万引き調査だけだろ。それだけじゃ心もとねえ。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かにそいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか。え？だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえで、なんで赤の他人にここまでできる。何か裏があるんじゃねえのか。裏か、まあそうとも言えるかな。こいつは俺なりの恩返しなんだよ。恩返し。今やってることは全部荒川組の、俺の親父がやろうとしてたことだ。死んだ親父さんのやり残しなんだ。行き場なくした元極道たちに受け皿を作っていく。その親父さんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。マジかよ、本当にあんたって人は。じゃあ俺もう行くから、しっかり足立さんの言うことを聞くんだぞ。なんだよ、今来たばっかじゃねえか。まだ仕事残してきちまっててさ。それじゃ仕事頑張ってな。はい。こんな時間からまた仕事って、ハロワって意外に忙しいんすね。ハロワならとっくに就業時間だよ。それとはまた別の仕事だ。え？異人町にはお前と同じように春日に助けられた元極道がたくさん働いてる。春日は仕事を斡旋した後も定期的に彼らの職場を回って様子を見てるんだ。日本最大の極道組織、近江連合と東条会の大解散。あの日以来、堅気の世界に放り出された極道は3万人を下らねえ。そのうち職にあぶれて行く当てのない連中はかなりの数に上るはずだ。そいつらを春日一人残らず社会復帰させろって意気込んでてな。一人残らず、そんなことできるんすか。ま、普通に考えりゃまず無理だ。だけどあいつを見てると不可能なことでもやってのけそうな気がしてな。手を貸さずにはいられねえのさ。はい、なんかわかる気がします。On poursuit notre petite balade du soir. Quelqu'un m'a envoyé un message. Oh, c'est Nanba. Ouais, Nanba, cool. N'oublie pas, on se retrouve ce soir au Survive, soit à l'heure. Merde, à cause de Sasaki, j'avais complètement zappé. Merci Nanba, faut que je fonce au Survive. Il y a une belle mallette juste à côté de nous. Hop, voilà. Alors bah c'est vraiment une très très grosse introduction, mais c'est toujours le cas. Hein. Oh, il y a des petits brigands. Oh. Arrêtez s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce t'as dit? Tu devrais parler plus fort si tu veux qu'on t'entende. Hein? Tu veux ma photo? Tu vois, personne n'a rien à foutre de toi. J'irai pas jusque là. Quoi? Hein? C'est qui toi? Éloignez-vous de lui. D'où on devrait t'obéir au juste? Parce que sinon je vous refais la gueule façon confetti. Ah, j'ai trop peur. J'en connais un qui va bouffer ses dents et donc pas longtemps. Je te le fais pas dire. Un petit combat.
pour nous rappeler qu'on est dans un RPG. Ah, alors, c'était ça, ça c'est une nouveauté de cet épisode. Donc on peut se déplacer dans un cercle de mouvement. Et la position, apparemment, peut faire la différence, surtout pour les attaques de base. Ah, et là par exemple, ils prennent comme exemple le vélo, et bah du coup, ça veut dire que notre attaque, il va utiliser le vélo pour les frapper, qui devrait faire plus de dégâts. Alors, attaquer avec des objets. Une icône triangulaire apparaît lorsque vous approchez d'un objet utilisable. Sélectionnez attaquer pour le ramasser et vous en servir comme arme. Les effets des dégâts que vous porterez dépendent de chaque objet, mais ils apporteront tous leur touche personnelle. Alors n'hésitez pas à faire des tests. Hop, un petit coup de vélo. Allez, faut... Ah, oh. Alors, sélectionnez attaquer et approchez-vous de l'ennemi jusqu'à ce que l'indicateur de cible change et que le bonus de proximité s'affiche. Vous recevrez un petit bonus de dégâts en frappant à courte portée. Dans les situations difficiles, il faut prendre tout ce qu'on trouve. Tout à fait, c'est vrai. Et je vais surtout te frapper avec ce cône en fait. Voilà. Mouvement artistique. Les attaques peuvent parfois repousser les ennemis. Ils subiront plus de dégâts en percutant les murs, les objets ou leurs amis. Les aptitudes avec l'attribut recul peuvent aussi repousser les ennemis. Voilà qui conclut les détecticiels pour le moment. Montrez de quoi vous êtes capable. Ok. Bah là, ça va pas être évident vu qu'ils sont pas dans le même sens. Après, je peux prendre ça, moi. Ah, on avait une petite flèche avec le recul. Bon, là, il n'y avait rien à porter, hein, mais on avait une flèche qui nous montrait dans quel sens il allait être projeté. Ok. Du coup, on a récupéré un sandwich à la laitue, quand même. Ça déconne pas. Pardon, pitié, on recommencera plus. C'est pas à moi qu'il faut dire pardon. Désolé pour ça. Ouais, pardon. Alors, vous en pensez quoi? Laissez-les partir. Mieux vaut laisser les flics en dehors de ça. Bon, c'est votre jour de chance, les gars. La prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Oui, monsieur. Oh. Tout va bien? Vous avez mal quelque part? Non, je vais bien. En tout cas, merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été gentil avec moi. Bah, c'est rien. Il m'avait gonflé déjà. C'est la première fois que je vous vois ici. Vous venez d'arriver dans le coin? Ouais, l'autre jour. Ok, vous savez où c'est le point sous Lukame? Essayez par là. Ça vaut mieux que de rester tout seul. Arigato, là. Je me serais jamais douté. J'y vais de ce pas. Merci, mon pote. Ah. Et merde, voilà, je suis à la bourre. Faut que j'aille au survive. Et vite! Brute louche. Les ennemis qui rôdent à travers la ville sont marqués d'une icône indiquant leur puissance. Assurez-vous d'en prendre connaissance avant d'entrer en contact avec eux, ce qui déclenchera un combat. Du coup, en bleu, c'est des faibles. En rouge, c'est de notre niveau. En rose, c'est fort. Et alors, je sais pas si c'est que pour le rose ou si c'est vraiment la couleur, mais avec des cornes et tout ça en plus, c'est dangereux. Ok. Là-bas. Donc ça, c'est notre niveau, apparemment. Ah non, il y en avait un qui était dangereux. Écoute comme ça. Hein. Et ça a fait un rebond. Ah oui, non, ça va, ça c'est pas dangereux du tout. Ah, si, il m'a quand même fait bien des dégâts, lui. Dis donc.
J'ai utilisé la proximité pour le mettre dans le mur. Ah, ça marche pas là, je peux pas. Ok. On récupère un tout petit peu d'argent, mais bon, au tout début du jeu, hein, c'est pas ça qui va changer la donne. Je peux pas m'empêcher de regarder s'il n'y a pas des trucs à ramasser, hein, c'est terrible. Hop, un paquet de mouchoirs, ça sert à rien par contre. Bah si, ça peut servir sur des quêtes secondaires, assez souvent dans les Yakuza, il y a... Genre des gens qui sont dans les toilettes bloqués et qui veulent du papier toilette ou des mouchoirs, ce genre de choses. Alors tiens, il y a quoi là? On va pas y aller tout de suite, même si je récupère tout ça. Là, c'est le citron de Mahjong. Ouais, bon, c'est pas pour nous maintenant. Et nous, on s'en va là-bas, au Survive. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va finir en karaoké, mais bon. Encore? Ouais, ça va, je peux les faire. J'ai perdu de la vie quand même, mais bon. Alors. Mince, il a bougé. J'espérais qu'il... Bon, après, il s'est fait one shot quand même, hein. Ça me donne combien d'argent, un combat comme ça? 510 yens. Je suis passé rang 2 sur le job actuel. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est employé Hello Work. C'est mon job de base. Ok. Et j'ai appris une nouvelle aptitude, du coup. Très bien. Et c'était 500 yens. Moi, ce que je voulais voir... Donc là, on voit qu'il y a un magasin de vêtements. Mais... Bah, je vais manger au restaurant, là, avant. Je vais voir combien ça coûte. Pour voir si ça vaut le coup, même sur les petits combats, déjà, de les faire. Des voyous des rues. C'est des autres surtout ça. Tu veux pas être dans le bon sens toi? Voilà. Oh oh, je les ai one shot d'un coup les deux. Oh, c'était rentable ça. Allez, on avance. Ici contre. Ah non! Ah si, ça va, ça a mangé. Je croyais que c'était qu'un bar, mais bon. Je dois me vendre à manger, elle. C'est ce que je viens de faire. Alors, commander à manger dans les restaurants vous permet de récupérer des PV et des PM, ça on s'en doute, et de renforcer vos liens avec les membres actifs du groupe. Oui, ça c'est quand on est à plusieurs, quand on mange ensemble, ça monte un petit peu les liens. Lorsque vous commandez certains plats en même temps, vous fermerez des combos de plats, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est bien ça. De plus, lorsque vous commandez un combo dans certains restaurants, vous pouvez déclencher de belles discussions. Ah, c'est le combo qui va déclencher la discussion. Ok. Les effets de combo des plats changent à chaque restaurant et peuvent s'accumuler jusqu'à 3 fois. Un effet sera utilisé à chaque combat. Lorsque vous commandez à manger, vous pouvez consulter les détails d'un combo des plats en bas à droite de l'écran. Et là, ça parle des discussions. Ok. Alors on a les détails en bas, effectivement. Cuisson parfaite, fringale internationale et geladal. Par contre, on ne sait pas ce qu'il faut mettre dedans. C'est un peu au test, on va dire. On va mettre déjà ça. Bah ça, c'est tout de l'alcool quand même. On va le prendre quand même. On va prendre une soupe. Confirmer la commande. Bon appétit. Merci pour le repas. Alors ça n'a pas fait de combo du tout ce que j'ai fait. Mais bon, c'était suffisant pour monter ma vie. T'es tout seul toi? Pourquoi t'es tout seul? C'est pas une bonne idée d'être tout seul. Va t'arriver des bricoles.
Voilà. Allez, pas beaucoup d'argent par contre. 250 yens. Bon, allez, on va au bar. Salut. Le bar, l'entrée, elle est de l'autre côté en fait. Ah non, elle est là, l'entrée pour moi. Ah oui, non, c'est pas l'entrée, c'est le point où je dois aller qui est en vert. Yeah, ils sont tous là. Enfin, je crois. Oui. Ah, Namba. Inspecteur du matériel médical. Oh. Aïe. ののみやの忘れ方みたいなもんだからね。あの店はきっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから、あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。ひとぎき悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスター、ありがとう。久々に会ったんだ。 Ok, bon, on sait qu'ils sont tous devenus. Ils sont tous un peu step up, sauf ben, la fille qui est au proprio d'un cabaret, on va dire, qui se marche pas très bien. だよ。付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあな。でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界でまっとうに生きようと思うんなら、 なおさらな。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。だな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄のお気土産は順調なのか。まあ、先の長い話だけどな。コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。 全くだ。うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、本当面目ねえ。冗談だよ。春日よくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえな、お前は。そうだね。そういうのかっこいいって思うよ。 Ils sont tous en train de fumer par contre. Hein. Même le médecin. Ah bah, bravo. デートの一つくらいはしたのか。何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな。このヘタレが。ちょっと待ってって。何言って。カズが、お前サッチャンに惚れてんだろ。いや、それは。 隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの。まあ、あんなことは気にすんなって。それよりも
動くんなら今なんじゃねえか、先生。お互いちった生活も落ち着いただろうしな。そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでも、んなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには太客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺、そういうのからっきしでどうしたらいいか。<笑> こんなありさま、佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。今度二人で遊びに行かねえかとか、最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、百戦錬磨。何足立さん、また悪い遊びしてんの。<笑>まあな。<笑> Ah, après, moi, j'avais pas spécialement souvenir qu'ils avaient un début de relation ensemble. Hein. Mais bon, il y a 3 ans qui ont passé. <笑>どこがよ。おじゃな、まあ機会があればまた飲むや。うん、それじゃあね。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。足立さん。<笑>ほらナンバー、帰るぞ。 Et il est vraiment au bout de sa vie, lui. Vas-y. Oh là là. Sacha. Ah, quand même. Yeah. 何？どうしたの？いや、何でもねえんだ。そう？じゃあね。サッちゃん！え？ちょっとさっきから何？悪い。あのよ。今度、どっか遊び行かねえか？何？ もう次の飲み会の話？次はうちの店でやる約束でしょ？あ、いやそうじゃなくて、二人でどっか行かねえか？ん？ほら。 Elle s'est enfuie, mais d'une force. What the... Ah, c'est peut-être elle qui l'appelle. もしもし。ごめん。急に言われてテンパっちゃって。いや、こちらこそ大変ぶしつけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。はい。遊び行くんでしょ？二人で。え、それはつまり。楽しみにしてる。 Vraiment un enfant, des fois, Ichiban. Fait partie de son charme. Il a crié. Yatta! Yatta! Yatta!
Oui, film. Je sais pas si ça va pas se retourner contre lui, ce débordement de joie, on va dire. そうか。オーケーもらえたか。やったじゃねえか。楽しんでこいよ。なんでしょぼくれてんだよ。いや、よく考えたら俺20年近く無所にいただろ。しかし、ジェイさんは、これはもう一人の子供だ。もしさっちゃんをがっかりさせちまったらって考えると。 おい、ネガティブになるなよ。デートでの失敗なんて誰にだってある。ビビらずドーンと行けって。失敗してさっちゃんに嫌われたらどうすんだよ。付き合うどころか絶交されちまうかも。決めた。デートは断る。てめえから誘っといて断ったらそれこそ絶交だろうが。 じゃあどうすりゃいいんだよ。バティは？C'est tout。どこに行って、何を食って、何を喋りゃいい？全然わかんねえんだよ。Oh là 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 là。しょうがねえな。これは俺らの出番みてえだ。Les deux experts célibataires。そういうことらしい。え？おめえらデートしたことあんのかよ。まあ人並みにはな。力になるからよ。 せっかく掴んだチャンスだ。物にしようぜ。おめえら。恩に着る。さて、じゃあ何から話すかな。まずはデートに臨む心構えからいくか。だな。まずは何よりも変に肩肘張らねえことだ。デートってのはお互いをより深く知るための時間だからな。自然体が大切よ。 なるほど。自然体か。いや、それは違う。あ？え？女の子がデートに求めるのは特別な時間だ。記憶に残るような特別な一日。自然体なんかじゃなくて、バリッと決めていけ。なるほど。特別な一日か。あれ？ でも言ってることがナンバと逆じゃねえか。どっちが正しいんだよ。Tout à fait。こういうのはおとなしく年長者の言うことを聞いておけ。伊達に人生経験積んでねえぞ。いや、足立さんが正解なら、なんでその年まで独身なんだよ。なんぼだって彼女の一人もいねえじゃねえか。いてえとこを突き上がる。<笑> じゃあ、remarquez quand même que dans son décor il y a plein de robes。C'est très étrange。どっちのアドバイスを聞くかは、風が、おめえ次第だ。どうだ。望むところじゃねえか。最高のアドバイスをしてやるよ。さあ、全員は急げだ。お、よろしくお願いします。 Un peu étrange toute cette phase en fait. J'imagine que c'est pour introduire quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Kiyoshiki Shimeru Kasuga, Jingyo wa mou hajimatteru. Oh, Deito no Gokui, Lesson 1、待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう、デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。 愛しの彼女をどう待ち受けるか、肝心なのはそこだ。
何しろ相手にしてみりゃ、そこで目にするお前がデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど。確かに。どういうこと？じゃあ一番、お前どういう風にさっちゃんを待つつもりだ？それは普通に立って待つんじゃねえか？ああ、固い固い。緊張してますって感じがプンプンすら。 お前がそれじゃあ、さっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でも、じゃあどうすりゃいいんだい？いつも通り自然にだよ。そら、そこのベンチにでも腰掛けて、なんなら、うとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは、 相手に心を許してなきゃ早々見せねえもんだろ。まあ、そうかもな。お前がうとうとしてんの見たさっちゃんはよ。まあ、一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。おらららららら。キュートな寝顔守ってあげたくなっちゃう。てなもんよ。そうなのか。なあ、足立さんはどう思うんだ？ ロンガイだ。ベンチで歌うとは。<笑>シュビットだか。言ったろ。女の子がデートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間にも相手はそれを求めてるんだ。待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず、 愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思うだろう。今日の一番、いつもよりなんか素敵。これからいつもと違う一日が始まるかも。Ça envoie une super mauvaise image, surtout ça. Si tu fixes l'endroit où doit arriver, croisant les doigts. Nanda yo. Sonora o mae, dochi no advice o saiyou sun da? Et ça c'est terrible, parce que pour moi c'est clairement aucune des deux. Et vous savez quoi? On va laisser un peu l'attente, parce qu'on va arrêter là cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Alors c'est encore la vraiment introduction, on n'a pas du tout démarré le scénario du jeu ensuite, en fait. C'est plus une remise en situation et puis une présentation des mécaniques. C'est un petit peu long, mais je suis pas trop surpris en vrai. C'est vrai qu'Yakuza, au démarrage, c'est long. Mais bon, par contre, j'ai quand même assez hâte qu'on déclenche le vrai scénario principal. Peut-être au prochain épisode, je pense. En tout cas, moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine. Bye!